Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bonjour Fan Noël. Bonjour Cyrus. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de vous présenter l'application Battle Lore Command. Avant cela, on va vous dire un petit mot sur le jeu de société Battle Lore, qui est un jeu de Richard Borg, édité pour la première fois en 2006 et qui a bénéficié d'une deuxième édition en 2013 par Fantasy Flight Games. Il est disponible en français chez Edge. Alors Battle Lore, c'est un jeu de figurines qui s'appuie sur le système de jeu Command and Colors, créé par son auteur. Il se déroule dans l'univers médiéval fantastique de Terrynaut, repris dans de nombreux jeux FFG. Le jeu se joue à la base à deux joueurs, et comme dans la plupart des jeux de figurines, le principe est de faire s'affronter les armées des joueurs sur un champ de bataille. Les unités qui composent les armées ont tout un coup. Avant la partie, chaque joueur va construire son armée de façon à ce que les deux armées aient le même coup total. Dans ce jeu, le champ de bataille est divisé en trois parties, le centre, le flanc gauche et le flanc droit. Et la particularité du système de jeu de Richard Borg est de s'appuyer sur une mécanique de card driven pour indiquer les unités qui seront activées pendant son tour. Ainsi, au début de son tour, le joueur choisit une carte qu'il va jouer. Cette carte va lui indiquer le nombre d'unités activées, répondant à un certain type ou présente sur une des trois zones de jeu. Le jeu propose des scénarios avec des objectifs tels que des prises de position ou un certain nombre d'unités adverses à détruire. Une fois la condition de victoire d'un joueur remplie, le jeu prend fin. Alors, le portage a été réalisé par Fantasy Flight Publishing, qui était à l'origine de Eyes at My Fish, que nous vous avons déjà présenté. Le jeu est sorti simultanément sur iOS et Android en novembre 2014. On passe à la prise en main. Alors, l'application nous propose un tutoriel. En fait, ce tutoriel, c'est la première mission d'une campagne. Alors, on va donc rentrer dans l'application. On va avoir un petit texte d'ambiance qui va nous expliquer le principe du jeu et l'univers. On remarque tout de suite que ce tutoriel est en anglais. L'application est uniquement en anglais. Et on remarquera également qu'au niveau graphique, on a un rendu 3D en fait. En tout cas, il y a un bel effort de fait au niveau graphique sur cette application. La première chose que vous allez avoir à faire, c'est de déployer vos troupes. L'application va vous proposer les troupes en bas à gauche et vous allez devoir les positionner sur les hexagones en vert. Donc on voit qu'on est quand même bien guidé. Le tutoriel vous indique exactement où placer quelles unités. Une fois que c'est fait, on vous explique qu'il existe 4 phases dans le jeu. La phase de lore, pendant laquelle on pourra lancer des sorts. La phase de commande, où on va choisir une carte à jouer. Voilà. On va définir les unités qui pourront jouer. Et ensuite, la phase de mouvement. Donc on sélectionne son unité et on va pouvoir la déplacer dans l'une des zones qui est autorisée. Voilà, donc là, on voit sur cette image que je vais pouvoir tirer sur ces deux unités. Donc, je ne vais pas bouger. Phase d'action. On va pouvoir taper les ennemis. Donc en résumé, ce tutoriel va nous présenter l'ensemble des règles du jeu, guidées pas à pas. On va vous indiquer où aller, dans quelle partie de l'interface, avec des systèmes de surbrillance. Et vous allez vraiment apprendre à jouer avec cette première mission. À la fin de cette mission, vous allez être complètement libéré, vous allez pouvoir finir la mission tout seul. Et honnêtement, pour n'avoir jamais joué au jeu et pour avoir lancé une première fois le tutoriel, j'ai effectivement appris à jouer avec ce tutoriel. Oui, c'est bien expliqué, hein, vraiment. On passe aux différents modes de jeu. Ok. En multiplayer, il est possible de jouer contre l'IA ou contre un humain. On pourra jouer que les races de la campagne, c'est-à-dire les Dakans, les humains, ou les Zutuk-Ilan, donc les barbares. Chaque joueur pourra choisir un nom. On pourra choisir une carte parmi les 5 qui sont disponibles. Il sera possible de baisser le nombre de ressources pour faire des parties plus rapides ou d'augmenter le nombre de ressources pour éventuellement rallonger la durée de la partie. Et puis de choisir les camps des deux joueurs. En sachant qu'il n'y a pas de niveau de difficulté quand on joue contre l'IA. Donc ensuite, il est possible de jouer en pass and play. Donc là, on va vous proposer de jouer contre un joueur qui est à côté de vous. Encore une fois, les joueurs peuvent choisir leur nom. On peut choisir le camp que vont jouer les deux joueurs. Alors, il est tout à fait possible de jouer le même camp, hein. Et puis on choisit la carte sur laquelle on joue et le nombre de points d'armée avec lequel on va jouer. Une autre possibilité, c'est de jouer en ligne, donc le mode online. Alors on a une liste de parties qui s'affiche. Alors là, on voit tout de suite que c'est le désert. Alors autant sur iOS que sur Android, on voit aucune partie. Ah, il y a 3 personnes quand même, dont nous deux. Ouais, bah y a nous deux. Et nous deux, puisque moi aussi je suis connecté. Alors l'avantage c'est qu'on peut jouer en cross-platform. Du coup, si tu crées une partie, Fenduel, on va pas lancer la partie, mais moi je vais juste rejoindre la partie.
On voit que j'apparais, voilà. Et donc là encore, on peut choisir notre camp, l'un comme l'autre. Et puis Fenduel va pouvoir choisir le nombre de points d'armée avec lequel on va jouer. Les tours de jeu sont limités à 3 minutes. Il n'est pas possible de jouer de façon asynchrone. Donc on doit jouer la partie en entier, d'une traite. Ça, c'est assez gênant. Je pense que c'est un des facteurs à cause duquel on trouve pas de joueurs sur l'application. Voilà, et enfin, la dernière possibilité pour jouer, c'est de jouer via une En LAN. LAN. Donc voilà, sur le même réseau Oui, Wi-Fi. j'ai lu des retours de joueurs comme quoi ça fonctionnait. Alors, en ce qui concerne donc du coup l'ergonomie, donc on va aller sur une partie contre Nia. Ouais, donc on voit que les temps de chargement sont assez longs et qu'on a une petite information sympathique en bas. Mais bon, c'est long. On a le tips quoi, le tips toujours. Le nom de la carte, la description de quel est le but du jeu. Donc ici, en 10 tours, je dois détruire, éliminer complètement mon opposant en 10 tours pour gagner. Tout d'abord, la première phase, c'est la phase où on va placer nos différentes armées en fonction des ressources qu'on a. Donc je vais placer des gros lourds pour aller très vite. Ensuite, on voit les armées de l'adversaire. On va pouvoir jouer l'un après l'autre. Alors, pas de bol, c'est mon adversaire qui joue. Et on voit chacune des étapes, chacune des phases du tour qui ont lieu. Et là, mon adversaire m'attaque. Paf. Aïe, il me fait mal. On peut voir qu'on accède aux options en jeu éventuellement, pendant que l'adversaire joue. Pour éventuellement abandonner la mission, revoir l'aide. Régler le volume sonore, ce genre de choses. Ensuite, à mon tour de jeu, je vais pouvoir jouer mon tour. La première étape, c'est l'étape de l'or. En fait, sur la partie centrale de l'écran, on voit les différents pouvoirs qui sont disponibles. Et les points au centre, les points de l'or que je peux dépenser pour lancer ces sorts. En faisant suivant, je dois choisir une carte qui va me permettre de diriger mes armées. Par exemple, celle-ci. Je la sélectionne. Je sélectionne ensuite les armées que je veux activer grâce à cette case carte de l'or. Suivant, je vais pouvoir déplacer mon armée, enfin déplacer les trois unités qui vont être déplaçables avec cette carte de commandement. Et les unités qui seront au contact pourront, dans la phase suivante, combattre en lançant des dés. Voilà, j'ai fait très mal. Aïe, paf, donc il a fui, il a eu peur de moi. Et c'est au joueur suivant. On peut voir également les capacités des différentes unités en fait. Quand on Ah clique oui. dessus, on a une petite bulle qui s'ouvre en bas à gauche. On a un détail des statistiques des dés de ces armées. Et les pourcentages de lancer ou ouais, des dés. Puis leurs effets spéciaux, ce genre de choses. Et chacune des capacités des caractères, des créatures. On a une information en haut à gauche aussi sur le nombre de points de mana en fait que possède l'adversaire. Alors ça peut aider quand on connaît bien le jeu pour savoir quel sort il est en mesure de lancer par exemple. Voilà. Et on a donc au niveau de l'interface 3D, on peut se déplacer en zoomant, en dézoomant, en tournant le champ de bataille, voilà, jusqu'à se rapprocher très près effectivement des unités. Qui est pas très utile. Mais c'est la classe quand même. En ce qui concerne les petits trucs pratiques ou pas pratiques, il n'est pas possible d'annuler un déplacement. On peut annuler le choix de sa carte au début, mais ensuite il n'est plus possible d'annuler aucun mouvement, aucune action. C'est un peu dommage. Typiquement les déplacements, je vois pas trop pourquoi on ne pourrait pas revenir en arrière. Tant qu'on n'a pas bougé ces 3 ou 4 armées qu'on a sélectionnées, il n'y a aucune gêne. Il n'est pas possible de sauvegarder sa partie, ça veut dire que dès que vous allez sortir de votre partie, que ce soit pour retourner sur le menu principal ou pour aller dans une autre application de votre tablette ou votre téléphone, vous allez perdre automatiquement votre partie. Pour moi, c'est complètement, c'est pas possible quoi. Au niveau des musiques et des effets sonores, on a une musique qui est militaire, une musique martiale, qui colle bien avec le jeu. En ce qui concerne les effets sonores, je suis plus critique. Quand vous allez sélectionner une unité ou dès qu'elle va frapper une autre, on va entendre des cris stridents. C'est pas super plaisant. Ok, c'est thématique, mais bon, pour moi, c'est niette. On passe aux autres fonctionnalités? Ouais, et je reviens sur l'interface de démarrage avec l'aide de jeu, qui permet de revoir l'ensemble des règles de fonctionnement du jeu, le détail sur les unités, alors avec certaines situations qui sont bien expliquées, certains effets de positionnement qui sont expliqués avec des dessins. Oui, alors les règles sont a priori sont assez complètes. Bon, le souci c'est que c'est en anglais, quoi. Ouais, faut quand même être un peu, faut s'accrocher quand même. C'est pas un jeu super simple, surtout dans les effets. Ensuite, on retrouve le store. Bien mis en évidence, avec un bel effet de surbrillance. Hein, faut acheter. Hein. Donc on voit qu'il y a une extension qui est disponible. Locus.
Les autres applications de FFG sur le store. Ah non, Hey That's My Fish, on vous a déjà présenté. Absolument. Et enfin, la possibilité d'acheter des jeux de société dans l'univers de Terranaut, dont Battlelore, Descent, RuneAge et RuneWars. Enfin, dans les options, on a la possibilité de changer les volumes, que ce soit les effets spéciaux ou la musique, comme on peut le faire dans le jeu. Et dans Crédit, la liste complète des participants au développement du jeu. On passe à notre avis. Quel est ton avis, Cyrus? Commençons par les points négatifs. Pour moi, le premier point négatif, c'est que j'ai pas l'impression de jouer à un jeu de société. J'ai vraiment l'impression de jouer à un tactical RPG. Ce genre de jeu vidéo qu'on trouve beaucoup au Japon. Alors c'est peut-être l'effet des dés qui fait que du coup j'ai l'impression de sortir du jeu de société. Le fait de balancer les dés, typiquement. Bah pourtant tu les lances, mais enfin oui d'accord, c'est plus un pourcentage, on est bien d'accord. Bah moi franchement ça va, je trouve que c'est ressemblant au jeu de société, sans plus, ça m'a pas dérangé. Alors ensuite, le jeu est en anglais. Ouais ça peut être un peu problématique parce qu'il y a certains termes qui sont vraiment en anglais un peu complexes, donc c'est dommage de pas l'avoir traduit. C'est ça. On ne trouve pas de joueurs en ligne. Ça aussi, c'est un peu dommage. Si on était les seuls ce soir. C'est ça, on était les seuls ce soir. On a été les seuls aussi toutes les fois où j'ai essayé. Je pense que c'est pour beaucoup dû au fait qu'on peut pas jouer en asynchrone. Non mais même tu peux pas lancer une partie et puis attendre que quelqu'un vienne et puis te barrer et puis revenir plus tard, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin bon, ça c'est dramatique, pour faire simple. Moi je trouve dommage qu'il y ait une IA qui soit pas terrible. L'IA elle est parfois bien et puis bah dès qu'on joue avec une carte avec objectif, bah, elle va être un pas mortel parce qu'elle va justement bah, pas prioriser l'objectif alors que c'est ce qui fait gagner. Et donc on a une IA moyenne quoi au final. Pour un jeu d'affrontement, je trouve ça dommage de pas avoir des niveaux de difficulté et une vraie IA en niveau difficile. Sur mon téléphone et sur ma tablette, bah, au bout d'un moment, le téléphone et la tablette surchauffent. Au bout d'une demi-heure de jeu à peu près. Pour le moment, ça manque peut-être d'optimisation. Alors moi je peux pas me prononcer sur ma tablette, j'ai pas fait attention à ça. Et la campagne est un peu trop courte à mon goût. Alors sur la 3D, moi je suis assez partagé. Elle fait perdre un peu en lisibilité, ça c'est l'aspect négatif. Si on avait un jeu en 2D avec une représentation un peu plus simple des unités, ce serait moins joli, mais on aurait une meilleure visibilité globale du champ de bataille. Maintenant, pour passer au côté positif, la 3D elle apporte vraiment beaucoup d'immersion dans le jeu et les graphismes sont réussis. Et le jeu est fluide, clairement c'est un plus sur l'immersion. Moi je trouve ça bien la 3D, ça permet de voir tes petites figurines, c'est ça qui est la classe quand même quand tu joues à Battlelore, c'est que t'as des figurines qui déchirent tout et là bah elles sont déjà peintes, hein. Ça c'est super. Ah voilà, c'est ça, c'est l'avantage. C'est dommage qu'on puisse pas pousser le truc, tu vois, genre les personnaliser, avoir des skins, tu vois, tu remportes la campagne et puis au lieu de gagner des pauvres unités, bah tu peux remporter des skins pour reskinner tes petites créatures. Enfin tu vois, ils auraient pu faire vraiment des trucs. T'as raison, donne-leur des idées, ils te vendront des extensions avec des skins. Mais il n'y a pas de problème. Autre aspect positif, le tutoriel, qui aide vraiment à rentrer dans le jeu. Moi je ne connaissais pas le jeu, j'avais bien joué à Mémoire 44, mais pas à Battlelore, et là ben, j'apprends complètement les règles du jeu. Ensuite, avec le fait que le reste de l'application reste guidé, fait que même si on connaît pas les règles par cœur, on arrive très bien à jouer à Battlelore grâce au tutoriel. Ouais, je trouve ça très bien, effectivement, le tutoriel. Le portage permet de s'abstraire des temps d'installation du jeu. Ça, c'est quand même un plus. Ce genre de Du jeu, jeu de ça prend quand société, même tu veux dire. 5-10 minutes. Voilà, c'est ça. Ça met quand même 5-10 minutes à installer. Et bah là, du coup, vous Même démarrez si votre les temps de tablette, vous jouez. chargement sont longs, au final, ça reste quand même inférieur au temps d'installation Ouais, d'une clairement, heureusement. partie avec toutes les figurines. Puis, bah, point positif, il y a une campagne. Voilà, c'était un petit point positif. Ça a le mérite d'exister. Quel est ton avis, Cyrus? Alors, mon avis général. Je trouve que c'est un jeu qui est très bien réalisé. Mon souci, c'est que j'ai pas l'impression de jouer à un jeu de société, et du coup, ça me gêne beaucoup. Et puis le fait de ne pas pouvoir sauvegarder les parties, pour moi, c'est totalement rédhibitoire. Donc pour moi, c'est non. Alors sur Android, ben, on n'a pas l'habitude des jeux chers et là déjà je le trouve vraiment beaucoup beaucoup trop cher. On est à 8 euros, même si le portage est de très bonne facture, on a que ben, pour 8 euros, franchement on a deux armées quoi, c'est
4 € l'armée, quoi. Enfin voilà, j'ai jamais payé un jeu avec un prix aussi élevé. Par contre, le jeu m'a quand même plu. Et au final, bah, je suis impatient de m'acheter l'extension, Locust, mais quand elle sera en promo, quoi, pas avant. Et puis sinon, bah, je pense qu'elle manque aussi d'optimisation sur Android. À mon avis, dans 6 mois, 1 an, on aura une appli qui sera super. Mais pour le moment, bah, c'est pas encore parfait. Donc je ne recommande pas trop. Sauf en promo. On parle un peu des tarifs, ouais. Ah oui, les tarifs. Sur iOS, on a une version universelle du jeu à 9,99€. Donc effectivement, c'est un peu cher. De toutes les applications dont on a pu vous parler, c'est la plus chère. Et l'extension est à quel prix? L'extension sur iOS est à 2,99€. En fait, c'est le même prix que sur Steam. Exactement. Et sur Android, alors truc très bizarre, donc l'application est à 7,83 € et l'extension est à 3,28 €. Elle est plus chère sur Android que sur iOS. L'extension, elle rajoute 3 missions de campagne, 2 nouvelles unités en fait par race et quelques nouvelles cartes en multi. Et voilà, nous avons fait le tour de l'application. Il nous reste à vous dire au revoir et surtout, Jouez jouez bien! bien!